Salut à toi et bienvenue sur le podcast Axe Open, le podcast qui parle développement et nouvelles technologies. Le tout réalisé par une bande de techos. Allez, c'est parti. When I decided to hack you, whoever's in control of the exit nodes is also in control of the traffic. Vous en voulez à la terre entière, à la société. J'emmerde la société. Je sais que vous avez beaucoup de raisons d'être en colère, mais ce n'est pas en refoulant toutes ces émotions à l'intérieur de vous que vous irez mieux. Hello, bienvenue à tous dans l'épisode 7 du podcast Axe Open. Alors j'espère que vous avez tous passé de bonnes vacances. On voit que Greg est un petit peu bronzé. Bonjour. Et j'espère que vous êtes en forme pour notre podcast de rentrée. Comme sujet du jour, on a choisi de vous parler des ORM et de débattre sur leur utilisation. Autour de la table, j'ai avec moi aujourd'hui Philippe. Bonjour. Et Grégory. Salut. Alors avant de passer directement au débat pour ou contre les ORM, on va commencer par poser les bases. Alors un ORM, Grégory, qu'est-ce que c'est ? Alors, un ORM, qu'est-ce que c'est ? Alors, j'ai regardé un petit peu la définition de Wikipédia, en l'absence de Florent. C'est mieux ? Non, pas forcément. En fait, ça aide, mais on se dit comment définir ça ? Parce qu'on a l'habitude de travailler avec, mais à définir, c'est un peu plus compliqué. Je vais prendre juste le début de la définition de Wikipédia. Un mapping objet relationnel, en anglais Object Relational Mapping, ou ORM, est un type de programme informatique qui se place en interface entre un programme applicatif et une base de données relationnelle. Et je vais m'arrêter là. Il y a deux éléments essentiels dans cette définition, c'est le programme informatique, donc notre application, et la base de données relationnelle. Donc c'est pour ça un mapping objet relationnel, on a déjà deux notions là. L'objet, ça va être dans notre programme informatique, et le relationnel, ça va être la base de données. Et entre les deux, on va avoir justement ce mapping qui va nous permettre de manière assez transparente de passer les données d'un côté ou de l'autre, sans se préoccuper de comment on va interroger la base de données. Ok. Du coup, concrètement, à quoi ça sert ? Concrètement, à quoi ça sert ? Ça sert à simplifier, en fait, l'interrogation d'une base de données. Ça sert, voilà, effectivement, à abstraire complètement la base de données dans l'application, et du coup, ne pas avoir à se fader l'intégralité des requêtes SQL pour appeler sa base. Alors, si on revient à la base historique, en fait, comment on interroge une base de données ? On fait des requêtes SQL. Typiquement, donc dans un langage qui s'appelle le SQL. Ça va être un podcast un peu plus dev que d'habitude. Hein. On fait des requêtes SQL, on interroge notre base de données nous renvoie un résultat, qu'on interprète d'ailleurs après, et puis il va falloir aller chercher les données qu'on veut dans ce résultat, ça peut être un petit peu fastidieux. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, un langage SQL, ça renvoie comme une table Excel, en fait. Du coup, à chaque fois qu'on interroge une base de données, on a l'équivalent d'une table Excel qui nous est renvoyée. Voilà, on a des lignes qu'on interroge, et dans ces lignes, on va aller chercher différents champs. Ok. Et vous avez un exemple concret dans la vie de tous les jours De quand on interroge une base de données, tout le temps, tous les logiciels du monde. Tous les logiciels du monde, je sais pas, le truc le plus simple, les utilisateurs, on peut récupérer les utilisateurs qui correspondent à une requête. On se dit, je veux tous les utilisateurs qui sont actifs dans ma base de données. Je les récupère, je récupère des lignes, et dans ces lignes, je vais aller chercher le nom, le prénom, le sexe de la personne, la date de naissance, etc. Donc ça, c'est le mode old school, on va dire. Mais qui est toujours actuellement très très utilisé, puisqu'on verra après pourquoi on utilise ou pas un ORM. Et avec un ORM, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas faire de requête. On va lui dire, je veux un utilisateur, et avec tel critère de filtre. Donc et là, tous les utilisateurs qui ont plus de 10 ans, voilà. Et il va automatiquement me renvoyer des objets depuis la base de données chargée. Voilà, j'aurais pas à me soucier d'interpréter ce qu'il a renvoyé, et j'aurais pas à me soucier de comment je vais interroger la base de données, ni même de quelle base de données est derrière. Ok, c'est lui qui fait tout le taf. Lui qui est censé faire tout le taf. Qui est censé. Ok, et du coup, ça c'est la principale fonctionnalité d'un ORM, est-ce qu'il en a d'autres, ou est-ce qu'il sert exclusivement à faire ça ? Alors, il sert quand même principalement à faire ça. Pour moi, après, les autres rôles qu'ils peuvent avoir, c'est des extensions, des ORM, c'est des petits outils à côté. Mais principalement, son but, c'est de faire ça. C'est d'abstraire la base de données niveau développement. Ok. Donc si on se place un peu plus au niveau, dans une archi d'application, comment ça se passe ? En fait, tu as ton appli, tu as ton ORM, et ensuite, tu as ta base de données. Alors, là-dessus, l'idée, c'est de se dire, je pense que tout le monde connaît le modèle MVC, le modèle vue contrôleur. La partie ORM va remplacer ou va venir en fait implémenter un modèle, la notion de modèle là-dedans. Donc c'est vraiment directement au sein du développement, en tout cas au sein de l'architecture du programme, que c'est intégré. Okay. Mais c'est une brique, il faut le voir comme une brique applicative qui n'est pas entre guillemets développée par les développeurs, c'est quelque chose qu'on utilise nativement dans les frameworks. Oui, c'est quelque chose qui existe et qu'on reprend et qu'on utilise. C'est une librairie, quoi. Une librairie ou un framework, on fait ça un peu comme on veut, on avait fait un truc sur les frameworks.
Alors on peut dire que c'est un framework de dev, quoi. Ouais. Après, techniquement, l'ORM, il est un peu plus compliqué que ça. Il y a deux, trois choses en plus. C'est-à-dire qu'en fait, l'ORM, on va avoir une librairie qui correspond à l'ORM, qui va se reposer sur un connecteur à la base de données, le même connecteur qu'on utilise classiquement pour faire des requêtes à la base de données, et qui, lui, derrière, va aller interroger la base de données. Donc, les connecteurs, c'est principalement, si on utilise du Java, des connecteurs JDBC. Ça peut être des connecteurs ODBC, voilà. Des connecteurs PHP de base. Les connecteurs classiques qui vont se connecter aux bases de données. Ouais, ce qu'il faut voir, et ce qui est très important tout de suite de spécifier, c'est que quand on utilise un ORM, toutes les couches qui sont en dessous de nous, c'est-à-dire les requêtes SQL, la connexion à la base, la connectivité réseau, c'est pas du tout annulé. C'est juste abstrait, on le voit pas. Mais tout est fait. Parce que du coup, là, vous parliez de tout ce qui est Java, PHP. Un ORM, ça peut s'utiliser avec tout type de langage. Tous. Alors, historiquement, ça vient plutôt en Java, puis après, ça a été porté en PHP, en .NET, ils en ont aussi. Dans n'importe quel langage, on a ça. Ouais. Voilà, par contre, c'est pas les mêmes. C'est-à-dire que forcément, c'est des langages différents, donc à chaque fois, vu que c'est des librairies différentes. D'accord. Voilà, donc en Java, on va avoir du Hibernate, par exemple, qui implémente la norme JPA. Voilà, en PHP, ça va être du Doctrine. Ils ont tous, je connais pas tous les ORM de tous les langages, mais chacun a sa petite correspondance. C'est Entity ou .NET. D'accord, il y en a quelques-uns qui tirent leur épingle du jeu. En fait, il y en a un majeur par techno. Ouais, il y en a un majeur par techno, et en principe, maintenant, je veux dire, ils ont écrasé tout le reste. Ouais. Maintenant, il ne reste plus qu'un par techno. D'accord. Et donc, on parlait de techno, si on se remet au niveau du projet de développement en lui-même, est-ce que tout projet de développement peut avoir ou peut nécessiter l'utilisation d'un ORM ? Alors oui, tout projet peut, mais est-ce que tout projet doit ? Je pense que c'est un peu la question qu'on va se poser aujourd'hui. C'est un peu le plus gros débat. C'est un peu le plus gros débat. Ok, on va directement rentrer dans le débat. Donc tous les deux, vous avez déjà utilisé au moins un ORM pour vos projets actuellement ? Des dizaines. Des dizaines même. Du coup, avant de commencer le débat, on a un petit peu parlé avant de commencer ce podcast. Greg, t'es plutôt contre l'utilisation des ORM de manière générale ? Ouais, je suis plutôt contre. Alors, c'est peut-être parce que je suis trop vieux, je suis à la vieille école, j'en sais rien. Non, après, j'en ai utilisé pas mal. Et honnêtement, si je dois faire un bilan, si je dois tirer une conclusion, ouais, je suis plutôt contre. Ok, et Philippe, toi, de ton côté ? Alors moi je suis comme Greg, on commence à vieillir, mais je suis bien moins vieux que Greg. moi je suis plutôt pour, j'ai encore la petite flamme qui me fait croire que ça va marcher génialement et que ça va résoudre tous les problèmes. Ok, c'est bien de garder une petite flamme. Alors on va passer maintenant au débat. Alors pour pas partir dans tous les sens, ce que je vous propose c'est de découper le débat en plusieurs axes. Tout d'abord, on va parler un peu de la mise en place de l'organisation de l'ORM, donc comment est-ce qu'on l'implémente en fait dans un projet. À ce niveau-là, en fait, est-ce que c'est simple déjà de mettre un ORM dans... Alors, là-dessus, il faut être très clair. Soit vous partez avec un ORM, soit vous partez sans ORM, mais c'est très compliqué de le rajouter en cours de projet. Donc l'idée, c'est extraordinairement simple si vous démarrez un projet de le mettre en place. Généralement, c'est natif, vous n'avez presque rien à faire. Par contre, si vous avez un projet existant ou une base de données qui est un peu historique ou ce genre de choses, là, cette technique, c'est voir plutôt touchy à mettre en place. Alors, en plus, maintenant, la plupart des techno, je vais aller parler surtout de Java, on a déjà des templates de projets qui sont déjà faits et qui embarquent les ORM nativement. En PHP, c'est pareil, Symfony, embarque Doctrine par défaut. Donc ça oblige à utiliser un ORM en plus, je veux dire, là on a quasiment plus le choix. Et puis pour virer l'ORM, c'est un peu compliqué parce qu'on doit détourner le truc. C'est vraiment le problème des ORM, c'est ce qu'il y a de plus dur dans la mise en place et l'organisation, c'est que soit on l'utilise, soit on l'utilise pas, et si on l'a et qu'on veut passer à côté, c'est vite hyper compliqué, quoi. Alors après, on va me dire qu'on peut faire des native queries, on peut repasser dans un langage quasi natif, et je dis bien quasi natif parce qu'il n'est pas vraiment natif. Sauf qu'en fait ça arrange rien parce qu'on sort complètement du contexte et je veux dire autant faire des requêtes SQL à la main, quoi. Et là-dessus aussi il faut tout de suite voir qu'il faut que votre base de données soit structurée de la bonne manière. Par exemple, c'est tout bête, mais il faut que toutes les tables aient une clé unique, une clé primaire, sinon l'ORM ne va pas pouvoir marcher. Il y a quelques contraintes techniques quand même à mettre en place. Ah, voilà, si tu utilises un ORM, en fait, tu oublies tout ce que tu as appris en cours de base de données. Non, tu ne peux pas dire ça. Tu oublies tous les schémas normaux avec des clés multiples, parce que c'est la croix et la bannière à faire dans un ORM, et c'est super chiant à utiliser. Alors, c'est possible. Après, c'est sûr que c'est moins évident que... Ouais, c'est possible avec une écriture de foufou.
Mais voilà, du coup, on perd toute la simplicité. En fait, dès qu'on veut faire un truc un petit peu particulier avec un ORM, on est coincé parce que l'ORM, ça devient un monstre, en fait. Ouais, enfin, l'ORM, c'est une bonne manière de programmer. Enfin, en tout cas, ils ont une philosophie de programmation et du coup, on peut pas dévier de la philosophie si facilement que ça. Après, quand vous laissez un projet à des développeurs, ils vous font toujours un peu n'importe quoi quand ils sont, comme tu dis, un peu foufou. Du coup, c'est pas mal aussi d'avoir un truc qui structure la manière de développer les requêtes. Ouais, on peut parler du développement des requêtes, je sais pas après si c'est... On peut parler du développement des requêtes. On peut parler du développement des requêtes, mais quand on voit la difficulté d'écrire des requêtes dans les différents ORM, et je parle pas de la requête simple de sélection par un ID... Ce qui est quand même 99% des requêtes. Non, je suis pas d'accord avec toi, c'est pas 99% des requêtes dans une appli, parce que dans une appli, tu vas vouloir aller récupérer des infos dans la base, qui n'est pas forcément tout l'enregistrement dans la table. Parce que ça aussi, on peut en parler dans les ORM. C'est-à-dire, quand ça vous récupère quelque chose, ça vous récupère toute la ligne, quoi. Vous avez une table utilisateur avec 200 champs, il va vous récupérer la ligne des utilisateurs avec 200 champs. Alors, c'est possible de le contourner, mais effectivement, de base, c'est ce qu'il fait. De base, c'est ce qu'il fait. Bon, on va parler de base, hein, parce que sinon, après, c'est possible de tout contourner, mais, mais c'est pas non, forcément le but. Pour le point, là, Camille, que tu nous as noté, c'est la qualité des requêtes. Alors, la qualité des requêtes générées par un ORM, elles sont toujours justes, parce que par définition, ils ne génèrent que des requêtes justes. Parce que c'est lui-même qui mais du coup il est construit, donc vous n'avez pas de problème de qualité de requêtes intrinsèques, même elles sont plutôt bien optimisées quand on fait des requêtes de base. Après, il est vrai que quand on veut faire des choses très compliquées, comme c'est de la génération automatique, c'est pas une requête générée par un DBA Oracle qui connaît 20 ans de métier, qui va vous optimiser en utilisant le bon index, c'est pas ça, c'est de la requête générique. Après, le gros avantage, c'est quand on voit le niveau SQL des développeurs, le fait que la requête soit générée tout seul, c'est pas forcément un mal. Et ouais, puis ça évite après, de se poser. Si le développeur n'arrive pas à faire un select simple, faut qu'il change de métier à un moment donné. Enfin, le SQL, c'est une des premières choses qu'on apprend à l'école. Bah, je sais pas, maintenant on a tendance à séparer la partie. Tu verras bien qu'il y a beaucoup de gens qui parlent pas français. Ouais, voilà, on a tendance à séparer la partie dev de la partie SQL. Mais la partie SQL, pour moi, ça fait partie du développement, quoi. Ça fait partie du savoir du développeur. S'il sait pas faire une requête SQL, il faut qu'il change de métier à un moment donné, quoi. Alors, donc on a envie de simplifier la vie du développeur, mais au final on lui cache toute la vérité et ça devient encore plus compliqué. Ouais, après aussi il y a un avantage, c'est-à-dire que si toi tu veux rajouter un champ dans ta base, t'es obligé de te récupérer toutes tes requêtes que t'as fait sur toute ton application, de rajouter ton champ, là où dans un ORM, comme il génère toutes les requêtes à la volée, il va te régénérer toutes les requêtes. Non, je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi parce que tu vas avoir ta requête, justement au lieu d'avoir 12 millions de requêtes comme dans un ORM qui vont récupérer le même champ, tu vas avoir ta requête que t'as pensée, que t'as faite, tu le rajoutes dedans. Tu le rajoutes dans tes objets de service, de DAO, comme tu aurais fait avec un ORM, parce que les objets qui sont après l'ORM, c'est le même traitement. Donc non, tu le rajoutes une seule fois. Et justement, vu que tu as bien pensé le truc, ouais, t'as pas à le rajouter dans deux sens. Tout ce que tu dis, ça présuppose que tu as bien pensé le truc. Ah, mais alors, faut avoir on sait très bien comment truc. Ça marche dans un projet. On a quatre stagiaires qui développent en back-end, surtout la partie service, et qui sont incapables de générer une requête qui soit valide, ou qui soit qualitative, ou dès qu'il y a un critéria avec 5-6... champs à filtrer, ils sont incapables de faire des or et des ou correctement, et là c'est vrai qu'un ORM tu peux pas nier le fait que ça simplifie ça. Ah d'accord, alors du coup ça simplifie l'écriture des requêtes, alors et si on écrivait des sous-requêtes avec un ORM type Hibernate, est-ce que ça simplifie vraiment l'écriture? Non, mais c'est mal. Écrire une sous-requête c'est mal. Non, c'est pas mal, je suis désolé. Quand t'écris des requêtes en base, forcément t'as besoin de sous-requêtes, t'as besoin de requêtes complexes à un moment donné. T'as besoin de sous-requêtes et de requêtes complètes parce que le modèle est mal foutu. Non, pas parce que le modèle est mal foutu, mais parce que dans Hibernate, en fait, ce que tu vois pas, c'est que ça va récupérer, c'est une pieuvre, ça va récupérer 12 000 objets avant de te faire une pauvre... Alors effectivement, ce que dit Greg, qui est pas forcément clair, c'est que Hibernate a la grande capacité, ou les ORM ont la grande capacité à faire ce qu'on appelle du lazy loading. C'est-à-dire typiquement, vous allez récupérer un utilisateur, donc vous dites, bah, je récupère l'utilisateur Camille, je veux savoir tous les droits qu'elle a, j'ai juste à faire Camille, typiquement get droit, et en fait il va aller automatiquement récupérer en base de données les différentes informations de la table droit. Et après, si on veut continuer, on peut continuer à faire par les getters, en fait, à récupérer automatiquement. Et en fait, les ORM vont générer de manière transparente des requêtes pour aller chercher les données et les compléter au fur et à mesure. Ce qui donne aux développeurs une grosse capacité, en fait, à développer sans se soucier de la partie persistance et requête des données. Et si je troll un peu, je vais te dire que ça sert à rien. Parce qu'en fait, maintenant, vu que les ORM, la plupart du temps, ils sont derrière une API, en fait, l'API, tu sais très bien ce qu'elle doit retourner, tu sais très bien ce que tu dois aller chercher en base. T'as pas besoin de faire du lazy loading, en fait. Le lazy loading, c'est le truc qui pose le plus de problèmes dans les ORM, parce que justement, les développeurs savent pas le gérer, parce qu'ils se retrouvent avec des erreurs de session qui expirent et ils comprennent pas les sessions dans les ORM.
Donc du coup, c'est un truc qui apporte une complexité en plus pour au final maintenant pas grand chose parce qu'on n'en a plus besoin. Je suis pas du tout d'accord avec toi parce que justement le principe d'être dans un service c'est qu'on a une transaction et du coup on n'a pas besoin de lazy loading. Enfin, le lazy loading fonctionne de manière transparente. On n'a jamais de problème de session qui sont problématiques puisque de toute façon on est dans la même transaction du début à l'entrée du service. Ouais, mais du coup, tu es d'accord que ça sert à rien de faire du lazy loading sachant que tu sais très bien ce que tu dois retourner. Donc, ah, je suis pas complètement convaincu parce que du coup, t'as tout. T'as tout ce que tu veux. Je vais pas rentrer dans ce débat. Je suis un peu démuni là. Non, je suis pas démuni, mais après on va en venir aux mains et c'est pas forcément la suite. Passons à la suite. Ok, du coup, ORM au niveau de la flexibilité. Là, je vais me faire démolir. Non, franchement, pas spécialement. Non. Sur la flexibilité, les ORM, c'est extrêmement flexible au sens où vous rajoutez un champ, vous supprimez un champ, il met à jour le modèle automatiquement. Tout ça, c'est vraiment simple, quoi. À condition qu'on n'ait pas changé un truc dans la base. Ce qui est possible aussi à faire avec les ORM et ce qui est très pratique, c'est de pouvoir changer de base de données. De passer par exemple d'un Oracle à d'un MySQL ou d'un Oracle à n'importe quoi, un Postgre, tout est possible parce que de toute façon il y a une couche d'abstraction et vous n'avez qu'à changer votre driver et tout va automatiquement marcher sur la nouvelle base de données. Parce que les ORM sont connectables à toutes les bases de données ou il y a des connexions qui sont plus ou moins bien? De base, ils sont connectables quasiment nativement à 99,99% des parts de marché. Ouais. Après, il peut toujours vous ayez une base de données qui ne soit pas le cas. Mais auquel cas, il y a toujours un driver pour pouvoir se connecter à ça. Ce qui n'est pas le cas quand on fait du SQL natif, parce que souvent, quand on fait du SQL natif, on a tendance à utiliser des petites fonctionnalités natives de la base de données, et ça, ce n'est pas migrable d'une base de données à une autre. Mais que tu ne peux pas du tout utiliser avec un ORM. Voilà. Des fois, elles peuvent te rendre service aussi, ces petites fonctionnalités. Mais tu ne peux pas les utiliser. C'est-à-dire que si tu as, par exemple, du Oracle et que tu veux appeler une fonction Oracle, bah, tu ne peux pas avec un ORM. Tu peux, mais c'est plus compliqué. Ouais. C'est bien plus compliqué. Bien plus compliqué. Et après, le fait que l'ORM il est compatible avec toutes les bases, je suis à la fois d'accord et pas d'accord, parce qu'en fait, effectivement, tu changes le driver, mais ça, tu ferais pareil avec du SQL, avec des requêtes SQL normales. Par contre, tu spécifies aussi le langage dans le driver le plus compatible. Mmh. C'est-à-dire que tu as quand même une spécification qui va te dire je vais plutôt être sur du Postgre ou je vais plutôt être sur du Oracle. Voilà. Donc, pseudo-compatibilité quand même. Donc, plutôt mitigé. Non, mais après, je ne vais pas être de mauvaise foi, hein. C'est quand même plutôt flexible, et c'est vrai que de ce côté-là, c'est plutôt pas mal. Et cette flexibilité, elle est encore mieux quand on fait des devs sur une base, et puis qu'on passe, je ne sais pas, en prod sur une autre base. Et là, on se rend compte qu'en fait, c'est moyennement compatible quand même. Ils sont 99% compatibles, et il reste 1% à l'espère. Voilà, on va faire du dev sur une base, je ne sais pas, une base H2, par exemple. Et puis, derrière, on va tester sur la vraie base cible du Postgre, et là on va s'apercevoir qu'il y a 25% des trucs qui marchent plus. Non. Allez, 10%. Allez, mauvaise foi. Ok. Et en termes de performance, du coup, si on va aller vers vraiment ce qui nous intéresse au final. Alors, je suis partagé sur ce sujet-là, pour le coup, c'est la performance, elle est unitairement bonne, c'est-à-dire que les requêtes qu'ils font, encore une fois, elles sont, quand vous faites des requêtes simples, elles sont plutôt bonnes, on n'a pas de problème particulier. Après, dès que vous avez des choses type statistiques, type machin, les requêtes qui sont générées peuvent être complexes avec des subselects et tout ça, ça chose. Elles sont à la fois complexes à exprimer en code et elles sont aussi complexes en base de données, quoi. Donc là-dessus, je laisse Greg mon avis. Non, mais là pour le coup, t'as un bon avis, t'as un avis éclairé sur la question. Non, c'est vrai qu'en termes de perf, ça va quand même plutôt vite parce que c'est que des requêtes unitaires, ça demande 3 à 4 millisecondes à la base de données à traiter à chaque fois. Enfin, c'est quasi rien, c'est des requêtes ultra simples. Mais ça en fait beaucoup. Ça en fait beaucoup, et quand on travaille avec des bases de données type MySQL, Postgre, ça va aller. Quand on travaille avec du Oracle, c'est un petit peu plus compliqué parce que Oracle a un mécanisme d'optimisation derrière, de calcul de stats qui permet d'optimiser les requêtes. Et en fait, ça va complètement tromper le calcul des stats. C'est-à-dire que ça va balancer des millions de requêtes qui sont des millions de requêtes unitaires. Mmh. Et du coup, Oracle va penser que celles qu'il faut optimiser, c'est celles-ci, qui sont déjà ultra optimisées. Ouais, et il ne va pas forcément penser aux requêtes qui peuvent être plus complexes et vachement plus longues à calculer. Et par contre, là où je trouve que c'est génial, c'est qu'on peut mettre un cache directement au niveau de l'ORM, généralement, c'est-à-dire côté applicatif, et on gagne tout le temps le traitement de la requête, le calcul, le parsing de la requête SQL. Enfin, on gagne pas mal de temps en mettant un cache directement au niveau applicatif. Et là, en termes de perf, c'est stratosphérique, quoi. Ça va très très vite. Ouais, ça, on gagne du temps. Là-dessus, c'est indiscutable. Du coup, de manière générale, on gagne du temps avec un ORM? C'est pas dit. Alors, en fait, on peut gagner du temps ou on peut en perdre. Le seul but, c'est de l'utiliser sur le bon projet, quoi. Ouais. Le bon projet, la bonne taille de projet et le projet à la bonne complexité.
Alors en fait, ce qu'il faut voir, c'est que 80% des applications, on n'a pas de problème de performance. Déjà, les performances sont un non-sujet sur ce sujet-là. Quoi. Après, en termes de gain de temps, c'est sûr qu'on gagne du temps sur un projet au démarrage. Vous faites directement vos objets, ça vous génère la base, tout ça, c'est un gain de temps substantiel. Après, il faut voir si ce gain de temps, il n'est pas perdu sur la petite fonctionnalité que vous n'arriverez pas à faire à votre ORM ou le bug un peu pernicieux. Et là, effectivement, des fois, ça peut perdre du temps. Ouais. On va dire que allez, dans 80% des cas, on gagne quand même un petit peu de temps à utiliser un ORM. Et puis pour tu reviens à la raison. Ah non, on parle des 20% d'après, si tu veux. Et puis, on fait gagner quand même pas mal de temps aux développeurs, qui ne comprend pas forcément les mappings, parce que ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple dans un ORM. Il y a une question de mapping objet relationnel, on n'a pas vraiment parlé, mais... on va reproduire ce qu'on a dans une base de données, dans nos objets, et ça, les notations pour faire ça sont pas hyper simples à appréhender. Bon, une fois qu'on les a, il n'y a pas de problème. Donc les développeurs peuvent à la fois gagner du temps parce que l'utilisation est facile, et à la fois perdre du temps parce qu'il y a des choses qu'ils ne comprennent pas, ou parce qu'il y a des mappings qu'ils ont mal fait, ils vont avoir une erreur qu'ils ne comprennent pas forcément. Ça peut être piégeux en fait. C'est surtout ça. Ça peut être piégeux parce que c'est dans les pièges qu'on va perdre beaucoup de temps. Ça peut être piégeux parce que surtout que comme c'est du générique, et du coup ça génère des requêtes génériques, des fois les messages d'erreur ne sont pas du tout simples à interpréter. Et ça rejoint on parlait du moyen du long terme. En termes de maintenabilité, on parlait du coup des développeurs qui peuvent se sentir piégés. Est-ce que du coup tous les développeurs vont plus ou moins bien appréhender en fait ce type d'outil d'ORM? Ou est-ce que, au final, est-ce que c'est pas plus facile d'avoir un langage universel type SQL plutôt que là? Ah merci, c'est plus facile. Voilà, on a, comme vous l'avez dit, plusieurs ORM, donc ce qui nécessite plusieurs appréhensions d'outils. Non, mais partant de ce concept-là, on peut coder en assembleur aussi. Tout de suite. Toujours plus. C'est une question de maintenabilité. Si c'est la maintenabilité par différents développeurs dans des langages différents, on ne peut pas vraiment parler de ça, parce que bon, faut que les développeurs soient capables de coder avec du Docker en PHP, soient capables de coder avec du Hibernate en Java. Mais bon, à la limite, on peut comprendre qu'un développeur PHP n'a pas envie de coder avec un truc Java, quoi. Donc ça, à la limite, c'est pas un débat. Après, sur la maintenabilité, moi, j'ai tendance à favoriser la partie requête SQL pure, pour la simple et bonne raison, c'est que quand on fait une requête, derrière, on peut s'assurer que la requête qu'on passe directement en base, ça envoie bien le résultat qu'on veut. Chose qui est plus difficile à faire avec Hibernate, il va falloir afficher toutes les queries que fait Hibernate, donc il en passe 250 pour amener trois pauvres trucs, et derrière, aller essayer de récupérer tant bien que mal les paramètres qu'on peut mettre dans la query. Donc ça, au niveau maintenabilité, je trouve que la séparation du coup entre la base et la partie dev est plus compliquée à faire. C'est logique, hein, est plus compliquée à faire avec un ORM, et du coup la maintenabilité est un peu plus compliquée à faire. Ouais, enfin je partage pas dans ça, parce que dans le terme maintenabilité, c'est vraiment sur le long terme, c'est-à-dire sur 3, 4, 5 ans, est-ce que finalement le choix d'un ORM nous fait gagner du temps ou nous fait perdre du temps, quoi. Ce qui est pas mal avec un ORM, c'est que vous revenez 10 ans après, et c'est le cas dans beaucoup d'applications, parce que ça fait bien 10 ans que ça existe, bah, quelque part, vous pouvez le reprendre, parce que c'est fait d'une certaine manière, tout est structuré de la même manière. Donc, du coup, c'est pareil avec des requêtes, je veux dire, les requêtes, elles vont pas bouger en 10 ans, hein, elles vont rester écrites de la même manière. Oui, mais du coup, il y a plein de manières d'écrire une requête. Tu peux pas nier qu'il y a plein de manières. C'est du SQL, après, oui, il y a plein de manières d'écrire une requête, mais après, tu peux parler de maintenabilité et de lisibilité aussi, je veux dire, lire une requête qui est écrite avec du critère à query en Hibernate, c'est juste un calvaire, quoi. Alors, oui. Ah, vas-y, ose dire non. Mais dans la nouvelle version d'Hibernate, c'est plus le cas. Ah, peut-être, j'ai pas vu. Je suis pas allé voir. Je te crois sur parole. Donc, la maintenabilité, c'est pas le bon sujet, je pense, pour ça, quoi. C'est pas un donner directement un point au SQL. Non. Enfin, bon, bref, on va pas. Ne tranchons pas. Et en termes de scalabilité, cette fois. Alors, la scalabilité d'Hibernate est mauvaise. Change de casquette. Non, mais ça, c'est pas du tout son objectif. L'objectif, c'est de structurer un développement. Et dès que vous allez structurer un développement, c'est un contre-coup qui est qu'on perd quelque part. Et là, c'est vraiment sur la scalabilité et les performances qu'on va perdre beaucoup en performance. Là-dessus, j'ai pas de problème. Et c'est pas l'objectif de l'outil. Donc, que ça soit un défaut, c'est évident. C'est évident. Voilà, sur un gros projet avec. Un gros volume de données, ça va devenir compliqué, il va falloir bien réfléchir à comment on utilise l'ORM. Après, ça n'empêche pas d'utiliser un ORM, hein, mais il faut penser le modèle correctement et il faut penser l'utilisation de l'ORM correctement. Du coup, si on vient un peu sur la conclusion du débat, pour quel projet est-ce qu'on utilise un ORM du coup?
pour quel projet est-ce que c'est alors déjà, pertinent de le faire si vous avez des conseils? Pour moi, il y a un critère qui est simple, c'est est-ce qu'effectivement on va avoir besoin de haute performance? Est-ce qu'on est sur une application très grand public, ce genre de choses? Là, dans ce cas-là, il vaut mieux pas utiliser un web. Après, si on a une application, on sait qu'on va pas avoir beaucoup d'utilisateurs, c'est-à-dire moins de 50, 100 personnes, ce qui est quand même la grande majorité des applications, là, on peut ouvrir le champ de se dire on peut utiliser un ORM. Et surtout, moi, le critère que je retiens, c'est est-ce que je suis dans une application qui va être structurée, où je vais devoir faire rentrer et sortir des développeurs, où je vais travailler sur le long terme et tout ça. Là, auquel cas, il faut partir sur un ORM. Ça me paraît assez évident. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Greg, mais... Ouais, je suis à peu près d'accord sur le principe. Sur l'entrée de développeur et la sortie de développeur, j'y crois pas trop, parce que pour moi, le SQL, c'est aussi simple à maintenir que l'ORM, mais je peux me tromper, c'est ma vision. Mais comme tu dis, t'es vieux et t'as connu SQL depuis très longtemps. Donc c'est ma t'as vision. T'as connu le SQL 97. Non, arrête. Mais c'est surtout la complexité du projet, en fait, qui décide de ce qu'on utilise, est-ce qu'on utilise un ORM ou pas. Il n'y a pas de règle générale. Hein. C'est analyser chaque projet et voir ce qu'on va en faire. Et... Comme d'ailleurs n'importe quel choix d'architecture, il faut réfléchir. Ouais, c'est ça. On réfléchit en amont et ensuite on agit. Ok, ça marche. Du coup, on va passer maintenant au coup de cœur, coup de gueule. Alors, tous les deux, et Philippe plus récemment, a changé d'ordinateur. Il a enfin quitté Apple. Alors, pour la petite histoire, je me suis fait casser ma voiture et voler mon Mac. Hein. Oui, du coup c'est vrai que je me rappelle plus trop le contexte. C'est un coup de gueule, mais ça l'a transformé en coup de gueule parce que du coup, j'ai décidé de quitter Apple. J'avais un MacBook Pro les derniers avec la Touch Bar toute pourrie et tout ça. J'en étais pas très content. Je pense que ceux qui ont l'essayé, c'est que le clavier est tout pourri, le touchpad, on clique 1000 fois dessus, la touch bar, ça ne sert absolument à rien. Les performances sont pas terribles et le prix est ce qu'il est. Et du coup, mon ami Grégory, comme quoi on n'est pas toujours en désaccord, m'a dit mais prends une Surface Book 2, c'est génial, c'est tactile, c'est génial. Bon, j'y suis allé un peu à reculons et je dois dire que j'étais agréablement surpris. C'est une super bécane, de très bonne qualité. Le clavier, il est fantastique. Le touchpad, il fonctionne plutôt bien. Ouais. Niveau perf, il utilise les dernières versions d'Intel, donc c'est vraiment bon. Il y a même un stylet pour l'application, pour la partie écran. Moi, je m'en sers pas mal maintenant chez des clients pour faire des présentations directement avec le stylet, je dessine sur l'écran. Ouais, ça fait classe. Et puis, honnêtement, c'est du beau matos. Bon, le prix est à peu près le même qu'Apple pratique. Moi, je crois que c'est vraiment, c'est une bonne batterie. La batterie, c'est fantastique. Il y a même une carte graphique qui permet de jouer. La batterie est monstrueuse. La batterie est juste monstrueuse. Voilà. On arrive à tenir quasiment une journée avec le portable. C'est assez fascinant. Une journée, c'est énorme. C'est énorme. En travaillant que, En bossant. Bah, pas en faisant tourner un jeu, ça c'est clair, mais... Le seul tout petit défaut que je peux lui faire, c'est qu'effectivement, quand on la pousse dans ses derniers retranchements, on a un petit bruit de ventilo. C'est un bon bruit d'hélico, même. mais honnêtement, dans une journée, ça va vous arriver 5 minutes, quoi. C'est vraiment quand vous recompilez tout, ou si vous lancez un jeu, que vous allez avoir le problème, pas autrement, quoi. Donc vraiment, je recommande les yeux fermés, c'est vraiment du très 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 bon matos. Ouais, et puis alors, le petit plus qui fait toute la différence par rapport à Mac, c'est qu'il y a des vrais ports USB. Ah oui. Et oui, ça, c'est utile, mine de rien. Il y a un port USB, il y a un port SD, il y a un port... Et puis moi, on se fout de ma gueule, mais il y a quand même un port USB sur le chargeur qui est plutôt pratique pour recharger son téléphone avec. Ah oui, c'est tout con, mais c'est des détails. C'est tout con, mais c'est bien. C'est un petit gadget. Non, mais honnêtement, Apple, il faut qu'ils se bougent parce que leurs MacBooks sont quand même vraiment vieillissants et ils sont un peu partis en live. Enfin, c'est quand même des trucs MacBook Pro qui dit pro, dit travail. C'est pas des PC, enfin, c'est pas des machines qui sont orientées au boulot, justement, quoi. De toute façon, demain, on a la nouvelle keynote. Ils vont peut-être nous... Ouais, ils vont sortir un iPhone avec une empoche. Ils vont nous donner quelques infos. On y croit. Bah, je crois pas que ce soit le sujet des MacBook. Hein. C'est iPhone et Watch. Ouais, mais je pense qu'ils ont quand même pas mal... iOS 12. Enfin, ils ont pas mal de critiques ces derniers temps. Du coup, peut-être qu'ils vont se bouger un petit peu. Ouais. On verra si ça les fait réagir. Pas. Philippe, appelle-les. On va faire un petit message, une petite proposition de feature. Bon, bah, du coup, on va clore ce podcast sur ce petit coup de cœur de Philippe. Merci à tous, du coup, d'avoir participé, de nous avoir écoutés. Pensez à vous abonner sur la chaîne pour pas louper les prochains. Et puis, on vous souhaite une bonne rentrée à tous. Salut, salut! Bonne journée! Salut!